Déjà, ils vont être encadrés, ça va être mieux pour eux et pour nous, pour nos enfants, qui, comme ça, ça va être un bon exemple pour eux. Déjà, on va pas les voir, mais on ne pourra pas en abuser aussi. Ça va être plutôt bien, je trouve. Pourquoi pas? Parce qu'apparemment, dans d'autres pays, ça marche, ça évite pas mal d'overdose vu que c'est encadré par des jeunes qui informent les toxicomanes. Donc pourquoi pas tenter le coup provisoirement, voir si ça fonctionne et si ça aide vraiment, les gens, quoi. C'est considéré comme une maladie dans certains endroits, donc pourquoi pas leur donner une chance et les aider, quoi. Un peu comme le mariage gay, si vous voulez. C'est l'évolution de société, ça. Et ça se passera plus à ciel ouvert parce que c'est vraiment pénible, hein. Pour moi, une salle de shoot, c'est très important. Vous voyez, juste, vous voyez comment il se retrouve partout à mordu des routes pour s'injecter. C'est pas très bien à la vue des gens. C'est mieux pour eux, il faut qu'ils soient soignés par les médecins ou voyés par les médecins. C'est mieux, je trouve, pour eux, socialement. Mais après, pour les commerçants, c'est pas bon, quoi. En tant que riveraine, de voir effectivement quel impact ça va avoir après sur le quartier, alors plus c'est un quartier où il y a de nombreuses écoles, des enfants en bas âge. Donc je demande vraiment à voir comment ils vont s'organiser, sachant que les médecins eux-mêmes ne sont pas très favorables. Si on donne des peines pour la drogue, je ne vois pas pourquoi les gens pourraient aller dans ces salles de shoot. Il suffirait que des policiers rentrent dedans et quoi, ils mettent des amendes tranquillement comme ça. C'est super contradictoire, moi, je trouve. On ne doit pas former des ghettos où les gens se retrouvent, un ghetto pour ceci, un ghetto pour ça. Nous faisons partie d'un peuple unique. Hein, et ce n'est pas dans des ghettos où on va trouver ça. Je pense que c'est... Je ne sais pas comment vous dire. Je pense que ces sujets-là se traitent individuellement et non en ghetto. Au départ, je pense que ça va en encadrer certains qui vont se passer le mot. Et finalement, ça, on va avoir... un rassemblement. Moi, je pense que ça doit être installé dans un quartier assez pas chic, mais un quartier assez tranquille.